Salut, salut, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Ici Lambert Kwasi. Nous allons parler un peu du token qu'on appelle le meme token, le token qui est la mère de tous les tokens selon Ethereconnect. Alors, notez que Pandainu, c'est en quelque sorte le troisième token qui est lancé par Ethereconnect. Il y a eu d'abord le ECC, il y a eu le EIFI. Et il y a aujourd'hui le Pandainu. OK? Ça fait le troisième token qui est lancé en crowdfunding. Pour votre information, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, le crowdfunding, ce sont des levées de fonds. OK? Et le ICO, c'est une forme de levée de fonds. C'est une levée de fonds d'ailleurs. Mais le concept, c'est du crowdfunding. Lorsque la foule vient financer un système, et que plus tard, le système permet que le public finance ceux qui auront financé ce token, bien ce système. Aujourd'hui, on donne l'occasion, demain, à partir de demain, nous sommes aujourd'hui au 16 août, donc dans peu de temps, vous voyez là le programme. Nous sommes au 16 août, les 7h58 minutes. Donc, on nous fait comprendre que dans un jour, en 4 heures, voilà, donc dans 24 heures, 4, dans combien de jours? Dans 28 heures, puisqu'il reste 1 heure, 1 jour, 4 heures, donc dans 28 heures. C'est-à-dire 1 jour, 4 heures, à partir de maintenant, la vente privée de Pandainu va commencer. Alors, où est-ce que ça va commencer? Vous voyez là, ils ont donné un site pandaifi.com. Si je clique sur ça, ça va nous amener où? Ça nous amène ici. OK, voilà le site. Donc, et si je clique sur ça, rejoins la communauté, regardez là, si je clique sur ça nous amène dans le back-office de ECC. Cela veut dire quoi? Vous tous qui n'êtes pas encore membre de Ethereconnect, cherchez un lien pour vous inscrire à Ethereconnect pour avoir un back-office parce que je l'ai déjà annoncé dans une de mes vidéos. Je crois que c'est ici. La vidéo que j'ai mise en ligne quand là? J'ai mis une vidéo en ligne le 5 août. Le 5 août, qui a eu déjà 1691 vues, où je vous disais que c'est dans le back-office. Regardez là. C'est dans le back-office de ECC, de Ethereconnect, qu'aura lieu cette vente privée. La vente privée, c'est ce qu'on appelle le ICO. Voilà. Donc, la vente privée va commencer bientôt. Ils avaient annoncé que ça allait avoir lieu autour de la troisième semaine du mois d'août. Et ce n'est pas faux. Nous rentrons dans la troisième semaine à partir de demain. Oui, à partir de demain, on rentre dans la troisième semaine. Et c'est ce qu'ils avaient annoncé. Alors, donc, la vente privée va commencer bientôt. Ce qu'il faut savoir, je suis là pour donner un peu sur leur page officielle les informations relatives à cela. OK? Voilà, sur voilà une information très importante qu'on va décrire ensemble, okay, pour que vous sachiez comment les choses vont se passer. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'il vous faut absolument avoir un back-office de Ethereconnect parce que la vente privée va avoir lieu ici. Notez que déjà, il y a eu deux tokens qui ont déjà, dont la vente a eu lieu. Il y a eu le ECC, okay. Il y a eu le EIFI. Le ECC d'abord, un ECC actuellement coûte 0,0. 3,38 dollars. Le EIFI qui est venu après a damé un peu le pion pleurement au EIFI où il fallait avoir une certaine quantité et le prix actuel d'un EIFI qui ne fait que monter 15,25 voilà. 15,25 dollars. Alors, donc il fallait aussi en avoir. Maintenant, le troisième token qui va avoir lieu, qui va être vendu, c'est le Panda. Le Panda Inu. Panda Inu. Alors, comment il faut faire pour en avoir? Il vous faut avoir, bien sûr, comme ils l'ont fait toujours pour le EIFI, vous voyez là, il faudra avoir comment on appelle, du Bitcoin ou du Tronz, de Terconnect, de Ethereum, pardon, ou bien du BNB, Binance.
OK. Et ça, c'est pour ceux qui veulent acheter directement. Et plus tard, si vous voulez, il y aura un airdrop. OK. Le airdrop, c'est-à-dire pour ceux qui détiennent des tokens de ECC, de ECC, on va leur donner gratuitement, si vous voulez, des pains d'anneau. Et cela aura lieu dans 45 jours. OK. Maintenant, une autre information qui est sur ce tableau, vous voyez, il y a trois chronos là, il y a ce chrono, il y a ce chrono, et puis il y a ce chrono. Donc, le premier chrono qui était ici, c'est que bientôt, le SSC que vous avez pu acquérir il y a de cela des mois, sera listé pour une vente publique pour que ça soit, on peut faire le swap sur Uniswap qui est une plateforme d'échange décentralisée. Uniswap, vous connaissez bien Uniswap. Voilà, vous partez sur Uniswap. OK. Vous allez connecter Uniswap à votre MetaMask ou à votre Trust Wallet. Regardez là. Cliquez sur ça. OK. Et quand on arrive ici, on va connecter ici là à notre MetaMask ou à notre. Bon, pas d'autre chose. Hein. Bon, il n'y a pas de Trust Wallet ici. Hein. En tout cas, avec MetaMask, c'est encore plus rapide, facile pour vous, pour le faire, pour connecter à ça. Vous voyez, moi, je peux changer, je peux connecter à MetaMask et c'est automatisé. Alors, notez que tout ce qu'on vous montre maintenant, c'est pour avoir des systèmes décentralisés et qu'un être humain, personne ne contrôle. Il n'y a que la communauté qui contrôle. Donc, on y va pour les informations pour la vente privée de Panda Inu. OK, la vente privée, pardon, qui est ici. Qui aura lieu dans un jour, 3 heures, OK? 56 minutes, 7 secondes, 6 secondes. Alors, quelles sont ces informations que j'aimerais partager avec vous? Elles sont ici sur leur Telegram. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes, 88 218 membres en peu de temps. 88 000 membres, c'est pas petit, OK? Bien. Donc, voilà les informations officielles de la compagnie. Alors, le nombre total de tokens de Pandanu est de 475 milliards de tokens. Dans les 475 milliards, OK, dans les 475 milliards, il y a 60% qui seront vendus, comme on vient de le voir tout à l'heure. 10%, ils vont donner gratuitement 10% en airdrop. 20% va aller à l'équipe de production, à l'équipe de gestion, et 10% pour faire la promotion de ce projet. Alors, notez que, comme je l'ai toujours enseigné déjà, quand on lance un ICO, ce sont des levées de fonds. On demande au public de venir financer, ça s'appelle du crowdfunding, pour votre information. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui ne maîtrisent pas le crowdfunding. Et quand on parle d'un système de crowdfunding, pas d'escroquerie, de Ponzi, ici, lorsque on va vous payer une petite somme d'argent pour participer à un ICO et que demain on vous permet de vous faire de l'argent, c'est parce que l'argent que vous avez payé à la compagnie, elle a encaissé ça est dans sa main. Et demain, elle permet que sur une vente publique, OK, des gens viennent vous financer, n'est-ce pas? Voilà. Et ces gens qui viennent vous financer là, en temps normal, si vous voulez logique envers vous-même, si vous traitez le crowdfunding de Ponzi, de pyramidal. Donc, quand on va lister le ECC en vente privée, en vente publique bientôt, pour que vous puissiez échanger vos ECC contre Ethereum, bien contre d'autres crypto-monnaies, vous voyez que des choses qui ne vous ont rien coûté au début, le ECC, ça ne coûtait rien au début, c'était 0,10 quand moi je commençais. Alors, si maintenant ça fait 0,38 et que vous vendez jusqu'à 1 dollar, vous êtes en train de vous taper beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup de pièces qui ne vous ont rien coûté, pas coûté grand-chose par rapport au prix de vente. Maintenant, qui va venir acheter les... Ce sont les gens qui n'ont pas pu acquérir. Quels gens? Des gens qu'on appelle communément les nouvelles personnes qui n'ont pas pu participer à la vente privée. C'est la même chose tout à l'heure. Vous allez voir que le prix de Pandanus, ce sont des prix vraiment dérisoires. Ça ne coûte rien. Pourquoi? Parce que ça n'a rien coûté à la compagnie. Elle est en train d'attirer de l'argent. Elle est en train de lancer son ICO, son crowdfunding. Elle dit public, venez me financer et demain, je vais donner l'occasion que vous soyez financé. C'est ce qu'on a fait pour le ECC. On l'a financé. Et maintenant, elle nous dit qu'elle va lisser ça sur une swap. Pour que quoi? Pour qu'on puisse échanger. Pour qu'on puisse échanger.
pour qu'on puisse commencer à se faire de l'argent. C'est la même chose, ils vous feront pour le pain d'âne. Donc, on y va pour le pain d'âne. Vous allez voir, les prix sont vraiment des prix dérisoires. C'est vraiment, ce n'est rien comme prix. Alors, donc, ils vont vendre, ils ont morcelé comme ça, les 475 milliards de tokens seront distribués de cette manière. Alors, il y aura des étapes qu'on appelle les rounds. Donc, c'est comme si au total, ils disent qu'en ce qui concerne la vente, ils vont liquider 285 milliards de tokens au total, mais répartis selon des étapes qu'on appelle rounds. Le premier round aura lieu le premier jour, ils vont commencer donc dans un jour, 3 heures, comme on a vu tout à l'heure. Et bon, ça, c'est à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Et si tu écoutes la vidéo demain, l'heure n'est plus valable. Voilà. Donc, l'heure à laquelle je dis maintenant ne sera plus d'actualité. Donc, à partir d'aujourd'hui, il reste un jour, 3 heures, quelque chose. Au fur et à mesure qu'on va aller dans le temps jusqu'à demain, l'heure là ne sera plus valable. Ce que je dis maintenant n'est plus valable. Ce sera l'heure. C'est un compte à rebours qui a commencé en fait. Bien. Donc, regardez là. Le nom du token, il aura des rounds. Il aura 3 rounds. Le premier round, ils vont vendre 200 milliards de tokens. À quel prix? Voilà le prix. 0,00 0 0 4 0 avant le 5. Donc 0,00005 dollars. C'est le prix d'une pièce. En français CFA, on peut évaluer ça autour de 0,03 francs CFA. 0,03 francs CFA. Vous voyez là, ça ne vaut même pas un franc. Ne vaut même pas un franc CFA. Et pourquoi ils font ça? Parce que ça ne leur a rien coûté. Ils sont en train de faire des levées de fonds. Donc, vous voulez ils ont dépensé quoi? Ils n'ont rien dépensé. Quand ils lançaient le ECC, ça ne leur a rien coûté. Quand ils lançaient le EFI, ça ne leur a rien coûté. Mais ils font des levées de fonds. On appelle ça des crowdfunding, mesdames et messieurs, pour votre information. Maintenant qu'ils vont faire ça, toi, si tu viens avec, par exemple, avec ce petit, là, ce prix-là, si tu viens par exemple avec 100 dollars, 100 dollars, si tu divises, tu ne fais que diviser 100 dollars, regarde là, tu prends 100 dollars, 100, et tu divises par 0,00405. Tu divises ton capital là par le prix qui est là, le prix de vente qui est là. Et ça te donne 2 millions de tokens. Vous voyez, avec 100 dollars, tu as 2 millions de tokens. Maintenant, si demain, quand il dit demain, c'est-à-dire dans 6 mois, dans un an, le token vaut, par exemple, 1 dollar comme le ECC vont lisser bientôt, toi, tu as payé combien? Avec 100 dollars, on va multiplier, tu as 2 millions de pièces, non? On multiplie 2 fois 1, puisque 1 va vers 1 dollar un jour. Donc, tu as 2 millions de dollars. Je vous pose la question. Donc, vous allez faire du Ponzi, du pyramidal, parce que comment 100 dollars peuvent devenir 2 millions de dollars? Bien, c'est en même temps une opportunité pour ceux qui sont des gens, des hommes et des femmes d'affaires. Maintenant, pour ceux qui réfléchissent avec un autre cerveau, bon, il n'y a pas de souci, on comprend. Mais notez qu'ils sont en train de faire du crowdfunding et partout en train de faire du crowdfunding, vous financez et après on vous finance. J'ai parlé de 128 BTC, il y a des gens qui ne comprennent pas. 128 BTC, c'est du crowdfunding. Tu finances un système, après le système te finance. Voilà. Donc, si vous estimez que 128 BTC, c'est de l'escroquerie, vous ne devrez pas faire pain d'âne. Parce que comment vous pouvez transformer 100 dollars en 2 millions de dollars? Bien, à vous de répondre à ça. Bien, donc on continue, mesdames et messieurs, notre présentation. Comment on peut transformer 100 dollars en 2 millions de dollars un jour? D'accord, on continue. Donc, c'était la première vente. Voilà le prix. Le prix du deuxième round. OK? Après la première vente, ils vont donner. Ça arrive au fur et à mesure qu'on avance, ils vont diminuer la quantité à vendre et le prix monte. Donc, ils ont vendu dans la première phase, ils vont vendre 200 milliards de pièces. Dans la deuxième vente, ils vont vendre, c'est successivement, quand l'autre finit, ils attament l'autre. Le prix change en même temps, tu sais qu'on a attamé la deuxième vente. OK? Voilà. Donc, ils disent que chaque fois, OK? 10%
seront libérés. Bon, c'est pas ce que je vais dire par là, mais on continue. Donc, la deuxième vente, il y aura 50 milliards de pièces à vendre. Et les 50 milliards de pièces, cette fois-ci, regardez là, le prix va changer. Le prix, maintenant, après le zéro, il y a 3 zéros et non pas 4 zéros. Et le nouveau prix, ça sera 0,0001 $. Ça veut dire quoi? On va prendre encore, si tu viens parce que ce crowdfunding est 100 $, que tu n'as pas, tu as raté la première étape, il faut être rapide, hein? Il faut préparer ton argent déjà. Dès qu'on lance, dès que tu as déjà commandé, sinon tu vas rater la première étape. La deuxième étape, si on va prendre 100 $ encore, 100 $ divisé par 0,0. Non, on va prendre 25 $. 25 $. 25 $. 25 $ divisé par, je sais pas, prendre 25 $, 23 $, 25 $. Ouais, non, voilà. Voilà. On va prendre 20 $. Si tu as 20 $ divisé par le premier d'abord, le premier cas, on va revenir ici d'abord. Je fais un clin d'œil à certaines personnes par rapport à quelque chose. Prenons 20 $. 20 $, on va diviser dans ce crowdfunding, on va le diviser par ce prix qui est là. Voilà, on va faire ça d'abord. On revient sur la phase 1. On a pris 100 $. Et quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, qui n'a que 20 $, qui veut participer à ce crowdfunding, que dis-je, à ce ICO, on va diviser ça donc par 0,000. 0 encore, 4 0 et 5. Avec 20 $, il a 400 000 pièces. 400 000 pièces, d'accord. Donc, avec 20 $ de franc CFA, hein, 20 $ qu'on prend pour faire des crowdfunding dans certains systèmes, avec 20 $, tu as 400 000 pièces. Bien, et si un jour arrivait que, de la même manière que la compagnie a listé pour le ECC, et un jour il va nous dire, bon, vous pouvez aller en vente publique, vendre vos pandanons. Moi, j'ai pris 20 $, j'ai 400 pièces. Donc, si 1 $, une pièce coûte un jour 1 $, je vais multiplier 400 par 1. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 400 000 $. 400 000 $, ça fait combien de francs CFA? On multiplie juste par 600 francs. Multiplie par 600 francs. Ça fait 240 millions de francs CFA. Question, est-ce que le ICO de Pandanus, c'est du Ponzi, du Pyramide, parce qu'on peut prendre petit montant pour gagner beaucoup d'argent? D'où vient cet argent? C'est le public qui est venu financer, te financer. Toi, tu as pris 20 $ pour contribuer. La compagnie te met dans un système où le public vient de financer. Mais pourquoi, quand il est question de crowdfunding, où tu finances un système, où le système te finance, parce qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas parlé de ICO, là, tu trouves tous ces Ponzi. C'était juste des petits clins d'œil que j'ai offert, les gars. D'accord. Maintenant que vous avez compris que le ICO, c'est du crowdfunding et que tu finances, et puis après, on peut te financer. Même avec 20 $, tu peux avoir plusieurs millions, comme je viens de vous expliquer là. On continue donc, et on se comprendra quand on parlera d'autre chose demain. Ah, déjà, ça leur fait mal comme ça. Quand je parle comme ça, ça leur fait mal. Ah, pourtant, c'est la vérité. Moi, j'aime qu'on nous dise la vérité. Il ne faut pas se cacher la face. Vous faites des ICO, vous prenez des petits montants, après, vous gagnez des millions. Vous, on dit de venir participer à un crowdfunding, 128 bêtises, vous dites non, l'anglais, ça veut dire quoi tout ça? On continue, les gars. Ce qui est là dans ce monde où on va, c'est ceux qui ont la connaissance qui vont avancer. Ceux qui ont l'ignorance, qui sont dans l'ignorance, vont toujours se créer eux-mêmes des problèmes. Pourtant, ils font des choses, on leur confie, on ne leur pas de choses, ils disent non, ça, c'est pas normal. Mais et comment 20 $ peut devenir 240 millions de francs CFA? Comment 220 $, tu peux prendre 20 $ pour participer à ça pour avoir, demain, si ça avait 1 $, tu as 240 millions. Comment ça? Vous croyez que c'est possible, ça? C'est normal, ça? Ça s'appelle du crowdfunding, mesdames et messieurs. ICO, c'est crowdfunding. On continue. Donc, on était sur le round 2, c'était une démonstration qu'on a fait tout à l'heure. Donc, les gars, on va aller rapidement maintenant, vous avez compris le système. Si vous voulez calculer votre capital, prenez votre capital. Le deuxième round, il va coûter le prix du token 0,000001 $. Okay, divisé par ça. Troisième round, ils vont vendre 25 millions dans le troisième round. Troisième round, ils vont vendre 25 milliards, pardon, de pièces. OK? D'ici, le deuxième, c'était 50 milliards de pièces. Troisième, 25 milliards de pièces. OK? Et quand ils vont faire cela, le prix sera de 0,0002 $. Là, en ce moment-là, celui qui vient, par exemple, avec 100 $, je vous informe ici que le minimum, ici, je crois que ça doit être 50 $ pour commencer. Voilà. 50 $, je crois.
J'ai fait une démonstration avec 20 dollars pour montrer que c'est vraiment insignifiant. Et vous pouvez commencer avec 50 dollars, c'est toujours insignifiant. 50 dollars, c'est quoi? 50 dollars, c'est 2 fois 25 dollars qu'on prend pour faire les crowdfunding dans certains systèmes. Bien, donc 50 dollars, si tu as 50 dollars, dans la troisième vente, on va diviser par 0,0003 fois 0, puis 2. Tu auras 250 000 pièces. Si un jour tu vends à 1 dollar, tu as toujours 250 000 dollars multipliés par en francs CFA, par 600 francs. Le Bitcoin, si tu veux vendre en Ethereum, même chose, tu auras 150 millions de francs CFA. Comment tu peux transformer 50 dollars en 150 millions si un jour la pièce vaut 1 dollar? Bien, mesdames et messieurs, voilà les informations importantes que je devrais vous montrer, partager avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter? Comment il faut participer? Alors, ils disent qu'ils vont le faire et puis plus tard, ils vous donnent l'occasion. Par exemple, quand on va atteindre le mois de septembre, OK, ou en octobre, ils vont donner l'occasion de pouvoir échanger ça sur PancakeSwap, OK, sur KuCoin, sur Binance, sur Gate.io, UOB, Coinbase, OK. Et ils disent de vous dire que les trois, d'ailleurs, quand vous allez acheter votre monnaie, plus tard, ils vont permettre de faire le swap. Échanger quoi, voilà. Bon, quand ils vont finir la vente privée, ils vont donner l'occasion de pouvoir échanger ça, ok? Voilà. Il dit que toutes les trois phases de vente seront faites dans le back-office de EtherConnect. Ok, tout à l'heure, vous allez voir en dessous mon lien de EtherConnect. Donc, si tu n'es pas encore membre d'EtherConnect, il faut aller prendre vite ta position dans EtherConnect. Ça sera fait dans le back-office de EtherConnect. Donc, il faut aller te créer un compte rapidement. Autrement dit, tous ceux qui n'ont pas un compte EtherConnect ne peuvent pas participer à ce ICO. OK? Bien. Donc, les gars, voilà un peu ce qu'il faut comprendre de cela. Voilà les informations de la vente. Donc, préparez votre capital par rapport à ça dès qu'ils vont ouvrir net. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez, vous créez un compte, OK? Vous créez un compte, vous prenez le lien quelqu'un va vous donner. Vous prenez le lien et puis vous créez votre compte. Quand vous allez cliquer sur le truc là, quand vous allez cliquer sur le lien que la personne va vous donner, voilà. Le lien sera sous cette forme là. Quand vous allez cliquer dessus comme ça, vous allez remplir ce formulaire là. Vous ne touchez à rien là, ni à rien là, vous ne touchez à rien. Ne touchez rien là, là. Et puis, vous remplissez, vous mettez ici votre nom, votre email, votre pays, votre téléphone mobile, votre mot de passe ici. OK. Deux fois votre mot de passe, vous confirmez. Et puis, c'est fini. Et quand vous aurez fini ça, vous allez avoir un back-office de ce genre-là. Hein? Vous allez avoir un back-office comme ça. Et là, vous allez voir qu'ils vont vous dire que si tu veux acheter, vous allez voir quelque part la pain d'anon. Ils vont mettre en haut ici peut-être acheter Pandanu, en haut ici quelque part, OK? Et buy, si vous aimez buy, faites attention. Parce qu'il y aura trois crypto-monnaies. D'autres veulent acheter du ECC, ils vont acheter du EFI et puis après ils se plaignent. Si tu veux acheter du ECC, tu cliques sur deposit ici. Ils vont donner l'occasion de payer soit par Ethereum, soit par Binance, soit par Bitcoin, soit par Trunks. Ça, c'est si tu veux payer du EFI, il faut venir ici. D'autres viennent cliquer sur ça. Ils disent non. Ils viennent cliquer sur EFI. Ils disent non, je vais payer du ECC et on m'a donné du EFI. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars. Moi, chaque fois que je vais payer du EFI, j'ai du EFI. Si je vais payer du ECC, j'ai du ECC. Comment vous arrangez-vous pour que quand vous lâchez du EFI, on vous donne vous lâchez du ECC, pardon, on vous donne du EFI. Le ECC, c'est très important parce que quand vous avez des ECC, chaque fois qu'il y a des airdrops, vous en gagnez gratuitement. C'est comme de l'argent que vous avez. Vous voyez là? On va faire bientôt dans un mois, 15 jours, dans un mois, 2 semaines, ils vont faire le airdrop. Pour le moment, ce n'est pas le airdrop, c'est la vente privée qu'on appelle levée de fonds ICO, crowdfunding. C'est ce qu'ils vont faire pour le moment. Bien, je crois que j'ai été très clair. Donc, ils vont lister ici quelque part. Le bouton va apparaître certainement en haut ici, vous allez voir. Ou bien il va apparaître quelque part ici sur le flanc. Donc, vous allez voir qu'il y a trois crypto-monnaies actuellement. Il y aura trois crypto-monnaies. Il y a le ECC. Pour l'avoir, il faut que je suis deposit. Pour le EFI qui est là, là, là.
pouvez en toujours en avoir, mais ça coûte un peu cher. Maintenant, 15 dollars, c'est beaucoup. Pour l'avoir, il faut cliquer sur EFI ici, là, EFI. Et vous allez maintenant cliquer sur Buy. Quand vous cliquez sur Buy, là, vous voyez toutes les crypto-monnaies qui sont là. Bitcoin, Trunks, Ethereum, Binance. La même chose, ils vont faire pour l'épargne d'Anne. Ils vont donner quelque chose ici. Maintenant, tous ceux qui veulent mettre vos amis connaissances dans Paidanu, mais vous leur donnez le lien là. Voir le lien qui est ici. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est en bas. Vous cliquez dessus, vous enregistrez et ça marche. Comprenez? Voilà. Alors, vous tous qui êtes de la communauté, voyez là, voyez ce qui se passe ici. Il vient de faire sortir un bouton ici. Un bouton. Le bouton dit déjà Buy Now. C'est-à-dire quand tu vas cliquer sur Buy Now, il va te donner l'occasion d'acheter par comment on appelle, par Bitcoin, par Ethereum. Donc, c'est ce bouton-là auquel il faut faire attention quand vous allez bientôt acheter. Certainement, ils vont lister. Ils vont le mettre devant, comme je le disais tout à l'heure. Ils vont mettre en haut ici. Voilà, ils viennent de mettre le bouton-là. Cliquez sur, quand ils vont lancer là. Dans un jour, 3 heures, cliquez sur cela. Buy Now. Et puis, vous suivez là, le principe. Ils vont vous demander de choisir quel type de crypto-monnaie vous choisissez. Faites le paiement. Simple. Voilà. Donc, il n'y a pas un lien comme il y a eu le lien, peut-être il y en aura, mais il y a eu le lien de EFI. Et dans l'effet, EFI, ils ont lancé un site, EFI.com. Et les gens pouvaient aller payer, venir acheter ici, en vente en Chine, sur le site de EFI.com. Cette fois-ci, pour ça là, ils n'ont pas donné ça. Donc, voyez là, vous le faire ici comme ça directement. Voilà. Je vous remercie. Je crois que, bon, plus ou moins, vous avez compris l'essentiel. Si la vidéo vous a plu, aimez, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, s'il y a des petits changements, des modifications, des choses à faire qui sont vraiment, qui nécessitent là, une vidéo, je ferai une vidéo. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, tu n'auras pas la notification pour aller écouter les changements. C'est très important. Donc, en conclusion, tous ceux qui ont commencé étaient connaître, vous êtes vraiment bénis parce que vous avez la monnaie mère qui vous permet d'avoir des airdrops, des choses gratuitement. Donc, tous, vous tous, dernier conseil. C'est vrai, ils lancent les tokens. Mais pour que vous puissiez vraiment en profiter, ayez sur vous des ECC. Quand vous avez des ECC, quand ils font leur airdrop là, vous gagnez beaucoup de tokens. Très important. Je sais, beaucoup d'entre vous allez courir parce que c'est moins cher actuellement. Les prix sont vraiment très, très dérisoires. Vous allez prévenir à 100 dollars pour avoir plein de pièces. Mais et ceux qui ont des pièces de ECC et qui vont bénéficier des airdrops, eux, ils payent moins. Voilà. Donc, tu fais d'une pierre deux coups. Tu as des ECC, ça te permet d'avoir des ECC. Ça t'a permis d'avoir des ECC. Ça te permet au jeu d'avoir comment on appelle, du pain d'âne. Et c'est super, n'est-ce pas? Bonne journée. Ciao. C'était Lambert Kwasi.